Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez subi des violences conjugales. La première fois qu'il m'a foutu une claque, je lui dis, recommence jamais ça. Ça a duré 20 ans. Je vais porter plainte. Porter plainte? Mais tu veux pas qu'il aille en prison quand même? J'ai mal! Non, je t'en supplie, Tamara, ne détruis pas la famille pour ce petit. Pourquoi tu fais ça? Mais souvent, la violence, la première chose qui est touchée, c'est souvent le corps. Et le cerveau a un truc extraordinaire, c'est que parfois, il peut oublier, lui. Ça l'ennuie, alors il l'oublie, mais le corps, lui, ne l'oublie pas. Donc c'est quelque chose qui est en vous, parce que c'est imprégné, c'est une violence qui s'est complètement imprégnée dans votre corps, qui a été prise, et qui, un jour ou l'autre, peut sortir comme ça. C'est pour ça que parfois, on parle justement de choses de post-traumatique et des choses qui peuvent sortir beaucoup plus loin, qui peuvent surgir beaucoup plus tard, parce que c'est dans le corps, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça que parfois on dit que ça, d'ailleurs c'est honteux de faire une prescription, parce que justement il y a des violences qui peuvent ressortir 12, 13 ou 14 ou 15 ans plus tard, et qui peuvent arriver comme ça. Et donc voilà, et effectivement, c'est pour ça que là, l'escrime, bon, je pense que vous avez entendu un peu tout le discours d'Olivier Suard, qui est le vrai maître d'armes, hein. Qui donc c'est son association, et c'est ce qu'on appelle donc de l'escrime thérapeutique, et explique effectivement les énergies meurtrières et de faire sortir effectivement par le corps toute la colère, toutes les violences que vous avez subies. Et on le voit beaucoup aussi dans le personnage de Nicole, de Claudia Tagbo, qui effectivement on sent que tout est dans son corps et qui va ressortir tout ça beaucoup plus tard. Couché sur TF1 a eu son succès d'audience. Sur la première chaîne de télévision en 2022, le film d'Alexandra Lamy, tourné à la fin du printemps 2021 à Anduze, obtient la faveur du public lors de diffusion au cinéma. Au CGR, le public est venu nombreux. D'abord, je voudrais remercier le CGR parce que c'est super de nous avoir accepté de pouvoir faire ce film, l'amener ici en salle et d'avoir tout public qui vienne et d'ailleurs aussi les lycées. Donc je remercie tous ceux qui nous soutiennent là-dessus. Anduze, parce que je trouvais ça que c'était très intéressant pour moi d'avoir un petit village, de montrer que ça s'adresse à tout le monde, toutes les classes sociales, tous les âges et que ça peut être partout. J'aimais bien le fait aussi que ça soit dans la nature, la rivière, la montagne. Il y a un truc aussi de terre, de renaissance. Voilà, donc ça aussi pour moi c'était très important. Comme j'avais beaucoup travaillé aussi sur les victimes, avec beaucoup échangé, et puis toutes mes engagements, donc c'est sûr que j'ai repris beaucoup de témoignages. Encore une fois aussi, j'ai eu beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes, et de femmes même un peu plus âgées, qui ont fait des castings et qui parfois racontaient des histoires, est-ce qu'elles étaient vraies ou est-ce qu'elles n'étaient pas vraies. Donc qui parfois, celles que j'ai choisies, elles ont gardé un peu leur histoire. Alors parfois, on ne voyait pas tout, parce que là, on suit surtout trois femmes, mais on a quand même tout un groupe de femmes où on sent qu'elles ont toutes subi des choses. Et puis après, non, comme je suis très engagée, etc., c'est pas que je me suis détachée, parce que je peux pas me détacher de ça, mais en tout cas, pour moi, ce qui était important, c'est surtout d'être plus suggérée. J'avais pas envie de montrer de façon, comment dire, pas voyeuriste, mais de plaquer de la violence, parce que je trouve que d'ailleurs on voit très peu de choses en fait, et moi c'est ça qui m'intéressait, parce que parfois de suggérer, ça crée de l'imagination, et parfois du coup ça fait encore plus mal, et quand il y a une scène un peu dure, elle prend encore plus de place, parce qu'on s'y attendait pas. Et je voulais aussi quelque chose, d'ailleurs je n'ai peut-être pas assez parlé, mais je trouve que le personnage de Mélanie, moi j'adore, parce qu'on sent que c'est une... qu'elle a peur, qu'elle l'a joué d'ailleurs dans son corps, la façon dont elle se tient, la façon dont elle, son corps parle, la façon dont la tête baissée, etc., qu'elle a cette petite voix, qu'elle n'ose pas trop dire les choses. Chacune a amené dans son corps ce que vivait son personnage, et ça c'était intéressant pour moi. Donc voilà, et puis... Après, j'essayais au montage de me dire, voilà, qu'est-ce qui touche le plus? Est-ce que là, qu'est-ce qui touche le plus? Oui, qu'est-ce qui est le plus juste, en fait? C'est ça, surtout, c'est d'être le plus juste possible. Je développe une série et un documentaire et un film. Moi, je reviens en février présenter, là, je pars en tournée province pour un film qui s'appelle La promesse verte de Édouard Bergeon, qui avait fait un film qui s'appelait Au nom de la terre, avec Félix Moati, Sofiane Kames, Philippe Torreton, voilà, et qui est sur l'écologie.
Donc ça, c'est le côté très engagé d'Edouard. Moi, j'aimais les engagements. Il a ses engagements aussi sur l'écologie. Et c'est un film qui est super, qu'on vient présenter là, au mois de février, et qui sortira donc le 27 mars. Ouais, eh bien, merci. Ben, merci beaucoup.